Ce mercredi 6 septembre, Léa Salamé, Sonia De Villers et Nicolas Demorand, les journalistes de la matinale de France Inter, étaient les invités fil rouge de Quotidien. Ils ont été rejoints pendant l'émission par Emmanuel et Mathilde Seigné. Et Sonia De Villers a quelque peu pris la place de Yann Barthès pendant l'interview avec les deux sœurs. Yann Barthès a fait son grand retour ce lundi 4 septembre sur le petit écran dans son émission Quotidien diffusée sur TMC. À l'occasion de cette semaine de reprise, le présentateur a des invités d'exception, comme Keyona, la grande gagnante de la deuxième saison de Drag Race France, Louise Bourgoin et Vincent Lacoste ou encore aujourd'hui le trio de la matinale de France Inter Léa Salamé, Sonia De Villers et Nicolas Demorand et Emmanuel et Mathilde Seigné. Les trois journalistes étaient les invités fil rouge du programme et sont donc restés sur le plateau pendant toute la durée de l'émission. Sonia De Villers n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de poser une question aux sœurs Seigné à propos de leur nouvelle pièce de théâtre Bungalow 21, ce qui a mis Yann Barthès dans l'embarras. Yann Barthès est pris au dépourvu par une question de Sonia De Villers à Emmanuel et Mathilde Seigné pendant leur passage dans l'émission. Yann Barthès a posé de nombreuses questions à Emmanuel et Mathilde Seigné à propos de leur pièce de théâtre dans laquelle elles incarnent Simone Signoret et Marilyn Monroe. Il a ensuite demandé aux trois journalistes de France Inter quelle actrice de l'époque était leur préférée, mais Sonia De Villers avait une autre question importante à poser aux deux sœurs. J'étais en train de me demander, comment on fait pour jouer tous les soirs avec sa sœur au théâtre ? Leur a demandé spontanément la journaliste. Une question qui a fait mouche. Ah ! Ça, c'est une jolie question, lui a répondu avec joie Mathilde Seigné. Face à son enthousiasme, le présentateur n'a pas caché sa grande déception. Elles étaient pourries celles que je vous ai posées tout à l'heure ? Elles étaient pourries ? Excusez-moi. On est content de la réponse ? Yann Barthès taquine sa consœur après son intervention. Heureusement, Emmanuel Seigné lui a rapidement affirmé que ses précédentes questions étaient très bien, mais cela ne semble pas avoir suffi à convaincre Yann Barthès. Alors, Sonia a une meilleure question, a-t-il continué ? Les sœurs Seigné ont alors répondu à la question de Sonia De Villers en expliquant qu'elles incarnent réellement un personnage sur les planches et qu'elles ne se rendent finalement plus compte qu'elles font face à leur sœur. Mais on est deux chippies, ont-elles affirmé en riant. De son côté, le présentateur a essayé de reprendre le contrôle de son plateau tout en dévoilant son exaspération avec une pointe d'humour. On est content de la réponse ? A-t-il balancé à sa consœur ?